Les Camerounais, mes frères Camerounais, my brothers and sisters, I hope now people will talk about your own problems. Vous allez commencer à parler de vos propres problèmes, hein? Parce que les activistes Camerounais n'ont plus trop à faire. Les activistes Camerounais n'ont plus trop à faire. Mais désormais là, ce sont les Ivoiriens qui vont parler à nos places. Vous les avez poussés à bout. Les gars étaient là à se mener de leurs problèmes. Mais vous êtes là depuis des décennies, vous passez votre temps à fuir vos nez dans les problèmes des Ivoiriens. Vous avez poussé jusqu'à aujourd'hui, eux-mêmes ont décidé maintenant d'aller regarder ce qui se passe chez vous. Là, on va faire comment? On va faire comment? On va changer de nationalité. Parce que là, si les Ivoiriens commencent à parler de nos gouvernements, c'est que nous sommes finis. C'est que il y a vraiment les Camerounais dehors que tu les regardes comme ça. C'est que non, ça c'est un homme. Mais malheureusement, ces gens-là n'ont rien à foutre avec le gouvernement. Et quand vous ne parlez pas des individus, vous parlez que de tout un gouvernement ivoirien. Eux aussi vont parler de tout un gouvernement camerounais. Donc ça serait chaud. Je demande qu'il y ait ma nationalité allemande. Désormais, je cherche ma nationalité ivoirienne. Il y a beaucoup de mes frères ivoiriens qui m'ont déjà proposé. Bah, il veut devenir ivoirien. Comme les ivoiriens commencent à parler, à fuir le nez dans les problèmes du Cameroun là. Parce que les Camerounais les ont poussés à bout. La honte de ça. La honte de ça, parce qu'il n'y a pas un pays comme le Cameroun. Quand il y a un continent, vous pensez que c'est... Tout est dans ce job. Le continent. Le continent. Quand vous dites que les Ivoiriens ont voulu organiser une CAN à près de 200 milliards. C'est le budget qu'ils ont mis pour organiser la CAN chez eux. On veut dire de cela, quelques années là, les Camerounais ont organisé le même CAN que les gens ont organisé à 200 milliards francs CFA. Les autres organisent ça à 3000 milliards francs CFA. Ou même vous ne voyez pas que c'est un continent. C'est un continent dirigé par un parvenu. Par un vaurien. Un malheureux. Alors que les Camerounais ont du potentiel. Bon. Il y a les habits des enfants là qu'il y a arrangé pour une fille Bassa à Yaoundé. Pour envoyer ça à ses enfants. Au moment, il pourrait envoyer ça aux enfants de nos os. Et comme moi, je ne sais pas faire la différence entre les francophones, les anglophones, les Ivoiriens, les Camerounais, les Africains. Pour moi, tout le monde, au même titre, je regarde tout le monde comme mes frères et mes soeurs. Mais ça ne veut pas dire on ne va pas quand même dire la vérité. Tout le Cameroun est comme ça aujourd'hui, ça cause. La majorité, ça cause des francophones. C'est la vérité. Lorsque je parle de francophones, je ne parle pas de bamlikés. Les bamlikés sont les grasses filles. Les bamlikés sont les anglophones, ce ne sont pas les francophones.
sur une grasse lame. Ok? Mais les habits que Yara, je l'ai pas envoyé aux enfants. C'est pour une fille qui vient de centre. Elle est bassin, grandie à Yaoundé. C'est pour elle que j'envoie. Alors qu'il y a mes frères, il y a mes petits frères et sœurs qui sont là-bas à Yaoundé, qui pourraient les envoyer. Mais c'est elle que j'ai choisi pour envoyer. Et la prochaine fois, je vais envoyer ça aux enfants de nos jours. Chaque mois, on donne, on envoie l'argent aux gens. Et Kang, et Ton, et Wondo, Bassa, même qu'on envoie les petits, petits contacts que nous avons, on les aide. On n'a jamais réfléchi que non, c'est un francophone. Non, non, non. Nous sommes des frères et des sœurs. En même temps, il y a certains virus qui n'ont rien compris. Tu vois les ting-ting sur la élite et Kang, toutes ces choses. Ce sont les gens qui n'ont rien dans leur tête. Ils n'ont rien dans leur tête. Ils ne réfléchissent pas. Quand tu es là, tu as le passeport français. C'est toi qui parles de élite et Kang. Tu as le passeport français, tu parles de élite et Kang. Si les Français réfléchissaient comme toi, tu devrais avoir ce passeport-là. De parvenir comme ça. Oh, j'étais commissaire, ex-commissaire Bandi Wai. Ex-commissaire Bandi Wai. Le négo a les problèmes. Le négo, je ne sais pas. Nous avons un problème, c'est dedans. Nous avons un problème grave, c'est dedans. Que le blanc lui-même ne comprend pas. Bon, bye bye.